Bonjour Tizotte, c'est Sandrine. Alors voilà, il me reste vraiment un tout petit peu à faire. Je vais faire un petit bout et quand on arrivera vers la fin, je vous reprendrai après, mais on va un petit peu faire ensemble. Ça y est, après ça sera terminé. Je ferai le rangement, le nettoyage de la toile. Et puis le reste, on verra. Voilà. Bon, ben c'est parti. Alors, je vais attaquer le 38. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les symboles, mais je vais attaquer ici, les symboles qui sont là, ici. C'est vrai que c'est pas facile. Je vous avance un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Alors, nous sommes le samedi 30 mai. Il est, je ne sais pas du tout, non, il doit être 10 h à peu près. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, de mon deuxième, qui a 28 ans aujourd'hui. En ce temps-là, le jour je le couchais, le jour de la fête des mères. C'était sympa. J'étais dans le nord, j'habitais, j'ai accouché à Seclin, pour ceux qui connaissent dans le nord. Moi, je suis né à Lille. Lille même. Mon premier garçon est né à Lille. La même maternité que moi j'ai eu, je suis venu au monde. Et mon dernier, lui, il est né à Évry, dans l'Essonne. Et je vais vous parler un petit peu aussi du concours que je vais organiser. Je vais dire pour mes 100 abonnés, je suis à 100 abonnés. Alors, si vous voulez participer, vous me laissez un commentaire. Je vous attribuerai un numéro. Et je mettrai fin à ce concours samedi prochain. Je laisse une semaine pour vous inscrire. Mais il faut être abonné à ma chaîne. Sinon, ça ne compte pas. Voilà. Et je vous avais dit que pour les 100 abonnés, je ferai 15 euros de matériel pour le TP. Sur AliExpress. Après, vous pouvez aller sur Amazon, hein, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Si vous êtes pressé à avoir, mais vous avez le droit à avoir 15 euros de matériel pour le DP. C'est vous qui voyez. Préférez peut-être une toile, préférez, mais voilà, vous avez la possibilité de choisir. Et on en oublie tout le temps. Je reviens que j'ai oublié. Bon, ben,
Ça a l'air d'aller, non? Je pense qu'il n'y en a plus. Je vais attaquer bah, les X79, c'est juste à côté. Attaquer les X. Oui, je viens de le faire. Il y en a un ici. Bah, il fait encore beau. Hein. C'est vrai que là, on a une belle semaine qu'on a eue là, de beau temps. C'est très agréable. J'ai oublié de mettre en mode avion. Alors si ça sonne, ben, on sera coupé. Mais bon, c'est pas grave. Je reprendrai après ma vidéo. Mais si ça arrive, j'en suis désolé. Après cette... Cette japonaise là, j'ai l'autre petite japonaise à faire de toutes les couleurs plus claires. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Je prends mon temps parce que j'ai toujours rien reçu. Alors après celui-là, il y a la petite japonaise. Puis après, ben, je serai obligé de reprendre le troisième Goldorak. Et comme les perles sont pas terribles. J'ai pas envie, pas envie, pas envie. Par rapport à... Là, ici, c'est un Wolfen. Les perles sont magnifiques. Ils sont assez bien taillés. Il n'y a que le noir et le blanc. C'est pas encore ça. Mais sinon, les autres perles, c'est nickel. Alors, voilà. Puisqu'avant, je ne connaissais pas les... Je connaissais pas les noms des vendeurs. Je connais souvent c'est Lucky Hakan, comment dire. Et que bon, maintenant que j'ai écouté toutes les vidéos de toutes les youtubeuses, et là, bah, maintenant j'ai plus de vidéos à regarder dans les youtubeuses françaises. Alors bah, là, je regarde les unboxings américaines, anglaises, allemandes. Je comprends rien, mais bon. Ça me fait passer le temps en faisant mon DP. Voilà. Bon, ici, il me faut des haches. Les haches, c'est 36. Et j'ai une application pour aller voir les colis où ils sont arrivés. Et bien, j'ai deux commandes d'annuler. Alors, ça fait que ben, ces deux-là, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas si le vendeur va me les refaire. Parce que moi, j'ai envie qu'il me les refasse. Parce que c'était pour un cadeau de crémaillère au mois de juillet pour ma nièce. Et je les ai pas. Oh. Je les ai commandés le 13 avril. Je me suis dit 13 avril, c'est bon, je pourrais lui faire ces deux tableaux. Et ben, je pense que ça va être raté parce que c'est quand même des 60-80. C'est pas sûr qu'elle le fasse au mois de juillet.
par rapport au nombre de personnes. Comme on ne doit pas être plus de 10, hein, ça va être assez chaud pour le faire. Alors, hein, je pense qu'on va le reporter. J'espère que je les recevrai à temps. Et qu'on refasse ça peut-être en septembre, octobre. Et puis là, j'aurai peut-être le temps de les faire. Parce que je suis allé à la poste, hein, bah ils savent pas où sont mes colis, ils savent rien. J'ai les numéros de commande, les numéros de suivi. Ils savent pas. Oh, pardon, désolé. On verra bien par la suite, hein. De toute façon, ça, on pourra rien y faire. Alors, les cas. Les cas, c'est 3. C'est du 100, 223. Il y en a beaucoup quand même. Faut que je remette un truc, sinon c'est encore partir sur le côté. Côté, j'aime bien d'aller de gauche à droite. Bon, je vais remettre un peu de colle, ça tient plus.
Je finis les quatre, puis après, ben, je continuerai tout seul et je vous reprends après pour la fin. Ben voilà, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de cas. Alors je vous dis à tout à l'heure. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Recoucou. Alors voilà. Il me reste à faire ici les N, des N. Ici, il y a des Y, des V et des flèches. Et après, nous avons terminé. Alors, je vais attaquer par les Y. Le 14 778. Voilà. Bon, j'en ai mis trop pour ce qu'il y a, mais bon, c'est pas grave. N'y a pas grand-chose à faire dessus. C'est bon. Là, ici, maintenant les V, les 12, 7. Allez, les V, il y en a que 3 à mettre. Voilà. Et les flèches. Chaque fois je les cherche, les 4, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, alors
à l'heure, ils collent tous ensemble. Voilà, maintenant il n'y a plus que les N. Et les N, c'est du 6. Allez, c'est parti. Alors, je sais que j'en ai ici. Et ça, si je ne le fais pas tout de suite, je vais l'oublier. Souvent, ça m'arrive. Là, allez, c'est parti. Après, nous allons faire le rangement des perles. Une fois ça fait, on va brosser la toile pour enlever toutes les mauvaises impuretés, parce que il y en a quand même, hein. Et après je la mettrai en vernicole, je laisserai sécher et on va reprendre après l'autre petite japonaise à finir. Puis après, si j'ai toujours pas reçu mes DP, et ben on va se remettre sur le Goldorak. Voilà, on arrive à la fin. Il en reste quelques-uns. Allez. 3, 2, 1. Terminé. Voilà, voilà. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus que à vous faire voir le résultat. Je vais vous mettre en pause pour tout mettre en place. À tout de suite. Là. Alors, la voici terminée. Les couleurs sont magnifiques. Ok. Il fait sa mise à jour. Il est un peu embêtant. Mon portable. Ah voilà. Attends, je vais écraser mes perles d'abord. On entend un qui pop. J'avais demandé ce que c'était. Attends, je sais, c'est les perles qui se soulèvent. Maintenant, on va brosser la petite chinoise. J'ai préparé mon vernicole. Je vous reprends
Après, voilà. Elle est super. Puis en fouillant dans mon placard pour chercher mon vernis-colle, j'avais oublié que j'avais acheté cette colle, aérocolle de Cléopâtre. Et c'est de la colle permanente. Alors je vais retenter. Parce que je ne sais plus si je l'avais fait sur un des DP que j'avais fait auparavant, il y a bien deux ans de ça. Bah, je vais faire ça et puis je vous dirai si c'est vraiment une bonne colle. C'est parti. On mélange bien avant. Et on y va. Bon, ça a l'air de... Il faut bien se mettre un bien parce que là, on met des traces blanches. Voilà, elle est un petit peu blanche, mais j'espère que ça va pas rester comme ça. On va voir une fois que ça sera sec. Et voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va faire le rangement des perles ensemble. Je remets tout en place et je reprends. Alors donc voilà, on va ranger les perles. Moi je les avais mis mes petits sachets vides, que j'ai pu mettre tout dans les piluliers. Et celui-ci, c'est où il reste des perles. Allez, c'est parti. Alors le 39. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien. Ce que je fais, non, on dirait que non. Je vous avance un petit peu là, voilà. Ici, il faut une coupelle. Oh, mon sachet est tombé. Non, c'est pas possible. Bon, on va faire le 38 et on verra ça pour le ramasser tout à l'heure. Mes coupelles ont été absolument aspergées de colle. 37. Oui, je pense. Alors, je les nettoie un tout petit peu. Je vais nettoyer parce que là, il colle. Parce que la colle, je pense qu'elle doit se mettre partout. Aérosol. Ça se colle de partout. Et bon, j'espère que j'ai pas fait une bêtise parce que quand j'ai été la poser sur mon lit pour qu'elle sèche, elle est blanche. Alors, je pense que je vais faire autrement. Alors, ici. Du liquide pour les mains. Alors, ouais, c'est mieux. Trente-cinq.
voilà comment je range. Après, chacun fait sa façon, hein. Le 34. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Le 33, il est dans l'autre. Il y en avait encore dedans. Hop. Quand c'est des sachets zip, c'est vraiment génial. Hein. Maintenant, le. Ah, j'ai un petit souci. 33, j'avais pas fait le 30. Ah oui, c'est les sont sur le 39 est tombé. Et le 40, c'est. Je sachais qu'il est génie, je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave, je le ferai plus tard. C'était le 38-65. C'est un gros sachet qui sont là-bas, dans le fond. Alors maintenant, on est parti. Le. 32. Ah ben il n'y en a pas du tout. Hop, ça, j'avais fini. 31. Je vais m'arrêter à. À 25 et après je continuerai toute seule. Le 30, parce que j'adore ranger, préparer et faire les dépliés surtout. Puis quand vous avez des paires aussi magnifiques, ah, un petit rose, ah, qui sont brillantes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est agréable à faire, quoi. Très très agréable. Et en plus, cette japonaise, je ne savais même pas que c'était. Au fun, je savais pas que c'était. Je vois la différence hein, de ce que j'avais auparavant. Moi, je commandais sans savoir quel vendeur. Je n'ai jamais prêté attention aux perles avant. Quoi. Je me disais, bon, bah, c'est comme ça, puis voilà. Mais quand j'ai vu toutes les vidéos des personnes, je me suis dit, là, il est 28, il était temps de changer de fournisseur. Enfin, je remercie les youtubeuses de m'avoir ouvert les yeux sur les vendeurs. Après, je ne dis pas que je prendrai toujours le même vendeur. Je vais essayer de faire chez d'autres vendeurs. Mais ça sera toujours choisi par Official Store. S'il n'y a pas Official Store, je ne prendrai pas. Parce que je sais qu'il y en a qu'ils ont. Oula, il y en a beaucoup. Alors là, j'ai pas compris dans le 37-27, il m'en fallait 37-27, il m'en fallait 160, je me retrouve avec presque 1000. Je sais pas, il y a dû avoir une erreur dans leur. Je me retrouve avec 1000 perles, quoi, en trop. Voilà, hop, allez, hop là. Parce que là, sur le sachet, oui, non, je comprends pas. 37-27, 192, et je me retrouve encore avec, avec tout ça. Le 26. Il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà. Bon ben, sur ce, je vous laisse.
Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Là, je vais manger. Je vous souhaite bon appétit si vous regardez cette vidéo en même temps que vous mangez ou avant de manger. Et je vous dis à bientôt pour un inboxing, j'espère. Parce que là, ça commence à faire long. Bon, ben, je vous souhaite un week-end prolongé agréable et passez un bon lundi Pentecôte. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like. Merci beaucoup. Au revoir.